La manifestation à toute vapeur qui a eu lieu les 18 et 19 juillet 2015 à Saint-André-les-Alpes, d'intérêt régional voire national, présente trois centres d'intérêt tous liés au train. D'abord, des animations sur le réseau des chemins de fer de Provence en gare de Saint-André, avec manœuvres de matériel roulant et voyages à bord du train d'Épigne. Ensuite, une exposition ferroviaire dans la salle des fêtes de Saint-André-les-Alpes. Et enfin, les portes ouvertes sur les réseaux HO et G d'Adrien Coulet, avec notamment une Train Garden Party IETB sur son réseau de jardins fonctionnant en digital massotte. Voilà les différents stands d'exposition qui s'installent dans la salle des fêtes de Saint-André-les-Alpes. IETB est également présent avec son stand d'information. Les visiteurs de la Train Garden Party IETB entrent par ici et sont accueillis par Isis, notre charmante hôtesse qui leur remet de la documentation et des souvenirs. Voici maintenant la vue du réseau HO d'Adrien Coulet en sous-sol. Une mallette tirant une voiture du Harz. Vue sur la gare principale en période creuse. Un navigateur massotte en main, on manœuvre la voiture luganaise des chemins de fer de Provence.
père et fils assurent chacun le départ du TGV duplex grâce à des navigateurs Massot. À l'extrémité sud du réseau, côté boucle, IETB propose à la vente des accessoires de train de jardin. Sous la pinède, les visiteurs dans l'allée longeant les voies. Et voici un nouveau groupe d'arrivants. Les trains intéressent une, deux, trois générations. Et une photo de famille réunie devant le seau de mouton. Les jeunes s'intéressent particulièrement aux trains de jardin quand on leur laisse les commandes. Ici, Jean-Baptiste tractionne le convoi de wagons citernes avec le navigateur digital Massot. L'X5852 IETB côtoie du matériel LGB et Pico. Derrière l'autorail, on devine la voie montante en tranchée. Non, ce n'est pas le Y, mais un Y. Enfin, un Y en français. Anachronisme, direz-vous ? Pas si sûr, mais en miniature, tout est permis. Voici la V215 qui arrive avec pas moins de 11 citernes au crochet. Attention, déraillement au refoulement. Aucune pollution ni feu de pinède n'est heureusement à déclarer. Voici maintenant la 151T du Harz tractant la Luganaise des CP. La ville de Hambourg est jumelée avec Marseille. Voici une reproduction miniature de son tramway, ici en préparation pour les journées européennes du patrimoine qui se tiendront à la RTM à Marseille. Ensemble IETB X5852 plus sa remorque XR9552 en pouce. Le TGV duplex est au garage sur une voie qui relie ce réseau au réseau de la propriété voisine. La Malaise sur le viaduc en courbe, se joint de l'énorme tronc d'un chêne vert. Passage en viaduc d'une chaise Bachmann. Vue sur le viaduc conduisant vers la future extension. Un grand merci aux participants, aux organisateurs, au personnel des chemins de fer de Provence, à notre client Adrien Coulet et à sa maman Estelle, et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette manifestation à toute vapeur. Rendez-vous vous est donné en 2017 pour découvrir la nouvelle et surprenante grande extension du côté nord du réseau de jardins d'Adrien Coulet et les nouvelles circulations du train des Pignes. Au revoir et à bientôt sur IETB TV.